Et salut à tous, c'est War, et c'est parti pour notre troisième épisode de notre aventure suivie Melon Survival. Je tiens tout d'abord à m'excuser parce qu'il m'arrivait une catastrophe, oui, j'appelle ça comme ça. Donc une bêtise vraiment toute conne. En fait, je commençais à faire cet épisode-là, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé. Donc en off, je vous expliquais dans l'épisode précédent que j'avais creusé tout ça. Donc là, c'est un clipper répété, mais sinon, ça m'aurait creusé. Hein. Je m'étais rendu compte que l'épée coupait plus vite le melon. Donc voilà, donc j'ai fait un épisode dans le vent, en fait, de 20 minutes. Donc j'ai fait quelque chose, j'ai construit une maison. Donc une maison que je n'ai pas finie, qu'on va finir aujourd'hui ensemble. Je prends mon papier, oui, voilà, c'est bon, j'ai mes notes. Donc c'est pas grave, écoutez, je vais vous montrer ça tout de suite, ce que j'ai fait, vous allez voir, ça change, ma maison a une tête de champignon, pour ne pas dire une tête de gland. Voilà, donc pour l'instant, alors elle est là. Donc comme vous pouvez voir, ça a bien poussé niveau cactus. Bon, ça c'est pendant que je minais. Voilà, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait un bloc de terre pour que les citrouilles puissent pousser. Bon, le bambou, hop. On va récolter parce qu'on en aura vachement besoin. Le bois, c'est du bois. En même temps, ça me paraît logique. Donc voilà, une petite maison bien sympathique où on peut aller sur le toit. Donc voilà, désolé. Vraiment, je suis vraiment tout con d'avoir fait ça, quoi. En plus, le pire, c'est que non seulement j'avais pas enregistré la vidéo, en plus j'avais pas enregistré le son parce que mon micro était mal configuré. Donc en gros, même si j'avais réussi à filmer, ça aurait pas marché, je suis vraiment trop fort, donc oui, vraiment désolé, j'ai fait un bonhomme de neige, donc objectif en plus. D'ailleurs, j'ai perdu ma fiche objectif, j'ai perdu toutes mes fiches objectifs, donc je vais les retrouver, hein, ça devrait être pas loin, de toute façon, en plus j'en récupère une, les objectifs, je sais lesquels j'ai fait, hein. C'est pas très très compliqué, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire, on va un peu papoter ensemble, en construisant ma maison, hein. On va proposer de quoi ? On va popoter de ma chaîne YouTube. Donc pour ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube, ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne. Alors je vais m'aménager un peu ici. Hein. Je vais un peu expliquer tout le fonctionnement donc de YouTube. Comment ça marche YouTube. Comment mon nombre de vues, parce que je vais quand même parler de ma chaîne en soi. Je crois qu'il y a une reste de melon. Donc oui, j'ai parlé un peu de ma chaîne. C'est tout simple, on va commencer déjà par le nombre de vues. Parce qu'on peut voir le nombre de vues encore en haut d'ailleurs. Donc si vous êtes sur ma chaîne, ce que vous voyez vous, c'est mon nombre de vues donc. 71 800 vues. Au jour d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant ou pas. Mais en tout cas, il n'empêche que voilà. Pour l'instant, j'ai ça comme nombre de vues. Excusez-moi, je suis un peu concentré encore une fois. C'est dur de faire tout ça à la fois. Hop là. Donc 71 000 vues. Combien de j'aime ? Pouce vert, on est 770. Pour 66, je crois que j'en ai eu un tout à l'heure, donc 67 pouces rouges. Donc franchement, nickel quoi. C'est-à-dire environ 800 pouces verts pour les 70 pouces rouges. Franchement, je suis large. En général, on m'aime plutôt bien, mais en même temps, mes vidéos sont plus appréciées, c'est plutôt sympathique. Franchement, c'est génial. Ça, j'ai pas à me plaindre. Mes vidéos sont plutôt appréciées. Enfin, je pense. 567 commentaires aussi. Donc ça aussi c'est plutôt cool, vous participez beaucoup je trouve à la vie de la chaîne. Et ça c'est vraiment génial. Moi ça me plaît beaucoup de répondre à vos commentaires. Bon après je suis désolé quand vous me dites que je fais des très bonnes vidéos et tout, j'ai envie de dire merci à tout le monde, mais c'est vrai que quand j'ai 3-4 personnes qui me disent ça, j'ai peur un peu de flou de ma chaîne et en disant merci à tout le monde. Donc je merci, hein, je vous le dis en vidéo carrément. Mais je peux pas vous répondre. Je réponds à... Vous voyez très bien que je réponds à presque tous mes commentaires, mais c'est vrai qu'il y a des commentaires auxquels je peux plus trop répondre.
tu fais que je commence un peu à être un peu connu. Bon, je dépasse pas trop. En moyenne, j'ai quoi, 10 commentaires par vidéo. C'est clair que c'est pas énorme comme Diablo X9 ou quoi, qui a des milliers de commentaires sur leurs vidéos. Est-ce que ça fait bon comme ça? Oui, c'est pas mal. Ah! Oh merde! La boulette. Donc remontons en haut. Oups. Ensuite, parce que j'ai sur mon petit papier, attendez que je regarde. Donc 303 abonnés, ça vous pouvez le voir aussi. J'ai eu 48 personnes qui ont ajouté leurs mes vidéos en favoris. Donc 48 vidéos qui ont été ajoutées favoris par une personne, donc c'est pas très énorme. 2 partages seulement, mais bon, 2 partages quand même. Donc ça fait parce que beaucoup de gens me disent qu'ils partagent mes vidéos, en fait, c'est pas vrai. Et c'est pas grave, je vous pardonne, moi ça me fait rien. Si vous le faites, c'est tant mieux, je suis un peu plus connu. Si vous le faites pas, je vous en veux pas, hein. Je vais pas vous manger parce que vous ne passez pas mes vidéos. Au contraire, hein. Vous faites ce que vous voulez. C'est pas grave. Comment on pourrait aménager le toit? Que je fais un petit champignon encore une fois au-dessus. J'aime bien les trucs de champignons. Pour ne pas dire, j'aime bien les têtes de gland. Hop. Donc, ok, gros blanc. Jusqu'à quand je dis ça en plus. Voilà, on va faire ça comme ça. Regardez un petit toit comme ça, ça va être sympa. J'espère que j'aurai assez de melon. Ensuite, j'ai 82% de mes vues qui sont vues, enfin de mes vidéos qui sont vues par des hommes et 18% par des filles. En même temps, c'est un peu logique parce que c'est Minecraft, quoi, j'ai envie de dire. C'est pas. Tant pas être suivi par moitié fille, moitié garçon, ça c'est sûr que. Il y aura beaucoup plus de garçons, mais je suis retenu à avoir comme 18% de filles, donc coucou aux filles qui me regardent. Ça fait plaisir. Aux garçons aussi d'ailleurs. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a aussi les pays, ce qu'on peut voir, d'où les gens me regardent. Donc en France, bien sûr, c'est le premier. On n'a pas les chiffres, mais on sait qui nous regarde en plus. Donc c'est la France suivie de la Belgique. Troisième position, le Canada. J'ai plus de melon, merde. Canada en troisième position, bah, je vais en prendre, hein, tout simplement. Canada en troisième position, suivi de près par la Suisse et les États-Unis. Alors les États-Unis, ça me fait rire parce que s'ils ont regardé mes vidéos, c'est simplement parce que j'ai fait la map The Drooper. Elle a bien marché parce que mon titre est en anglais. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a plein d'anglais qui sont venus voir mes vidéos et j'ai reçu pas mal de commentaires qui disent ouais, je te hais, machin, étranger, de merde, là, là, là. Tu mets des vidéos en anglais alors que le titre en anglais alors que la vidéo est en français, n'importe quoi. Des commentaires vachement méchants, mais j'ai plutôt pris ça à la rigolade et franchement, vous pouvez mettre tous les commentaires négatifs que vous voulez, ça ne m'étonnera jamais, ça je pense que de ce niveau-là, je suis plutôt blindé. Hein. Ça ne me fait rien du tout, vos commentaires négatifs. Et la dernière fois d'ailleurs, bah c'est tout simplement hier, là c'est on est quel jour, on est vendredi. Bah jeudi soir j'ai posté ma vidéo donc sur Hunt Farm, hein, c'est mon habitude suivi sur la vie d'une fourmi, hein. C'est comme ça que je l'appelle. Et j'ai posté, sérieusement, 2 minutes après j'avais un pouce rouge. Alors la vidéo dure 25 minutes, comment ça se fait que le mec il mette un pouce rouge au bout de 2 minutes alors que la vidéo dure 25 minutes? Alors ça, faut m'expliquer. Celui qui a mis ce pouce rouge, ça doit être un américain qui j'ai répondu en rigolant à son commentaire. The Drooper, peut-être, je sais pas. Mais ça a bien fait rire à quel point les gens peuvent être débiles parfois et de croire que ça a changé quelque chose, que j'ai un pouce rouge ou pas, quoi. La vidéo va pas être plombée parce qu'ils ont mis un pouce rouge sans avoir vu la vidéo, quoi, je veux dire. Ça, surtout qu'en plus, je me suis rendu compte, quoi, il avait même pas vu la vidéo, parce qu'il a mis le pouce rouge 2 minutes après ça, qui m'a fait beaucoup rire, quoi. C'est vraiment ridicule. Et inversement, d'ailleurs, hein, les pouces verts, quand vous commentez les vidéos, c'est arrivé une fois, ça, je crois, un mec a commenté les vidéos, comme quoi, c'est génial, machin, continue.
Sauf que il a commenté une minute après, même pas, que j'ai posté, il devait être sur YouTube en ce moment-là. Et ça fait beaucoup rire. J'ai quand même dit merci, je crois, mais c'est un peu hypocrite de sa part, c'est pas parce que. Dites-moi franchement, si une vidéo ne vous plaît pas, ne me dites pas que c'est bien parce que vous avez peut-être que ce soit bien, ça se trouve ce sera nul. Un jour je vais faire ça, sortir une vidéo super nulle. Et je vais voir vos commentaires. Ah ah. Non, mais ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires positifs. Hein. Au contraire, des commentaires négatifs ne m'offrent rien, mais les positifs me font énormément plaisir. Ce qui fait qu'au final, bah, je suis tout en content. Donc, pas beaucoup de melons, mais on va pas passer toute la soirée à miner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me faut encore un petit peu. Je vais miner le reste de melons et je reviens tout de suite. Il me manque à peine 3 sacs de melons à prendre. A tout de suite. Voilà, ça m'a l'air bon tout ça. Donc j'ai 9 stacks de melons. Hop, j'esquive des mobs parce que j'aime pas ça. On va vite aller dormir. Casse-toi de là. Oh, j'aimerais bien avoir une vue d'ensemble de mon bâtiment. Ouais, c'est particulier quand même. Hein. Bon, j'ai fait vraiment une maison freestyle, hein. Faut aimer après, hein. Vous faites un peu ce que vous voulez avec vos melons, hein. Moi, j'aime bien le coup de petite base et gros, grand en haut. C'est vraiment, pense à un je ne dirais pas quoi, mais vous avez compris. Mais bon, je trouve un design assez intéressant dans Minecraft. Ça nous permet d'avoir une petite vue bien sympathique tout en pouvant avoir une maison basique en dessous, quoi. Enfin bref, je me comprends. J'aime bien, c'est tout. En plus, pour me justifier sur mes goûts. Non mais oh. Hop, petit fail. Donc, alors, où j'en étais? Oui, je parlais des pouces rouges qui me faisaient beaucoup rire. Je sais pas, vous parlez que de ça quand même. Hop. Non, quoi que non. Bon, pour finir dans les détails, j'ai ma vidéo qui a le plus de vues, c'est celle avec Diablo X9, 36 000 vues. J'étais vachement étonné que ce soit seulement 36 000 par rapport à... Ah bah ça va être chiant par contre. Par rapport au fait que c'est un peu la vidéo qui m'a lancé dans cette voiture YouTube, parce que beaucoup de gens m'ont connu grâce à cette vidéo, grâce au titre, hein, je le cache pas, c'est grâce au fait que j'ai marqué Diablo X9 dans la vidéo que... Ma vidéo a eu beaucoup de vues. Après, c'est pas ce que je cherchais à la base, hein. Ça je vous assure que c'est pas ce que je voulais, hein, en marquant Diablo X9. Mais bon, ça fait 36 000 vues, j'ai gagné 86 abonnés grâce à cette vidéo. En deuxième position, c'est le piège que j'ai fait avec Adrien, je ne sais plus exactement son pseudo, mais ça commence par Adrien. Je fais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? À ce qu'il faut que je fasse. Ces échelles. Ensuite, que voulais-je dire? Hop. Oh, pile poil, c'est pas beau ça. Sinon, ah oui, soit 40% des gens qui me regardent sur des mobiles. Alors, dites-moi qui regarde par mobile, parce que je pensais pas qu'il y avait autant de gens qui pouvaient regarder les vidéos avec le téléphone, quoi. Je trouve ça assez impressionnant de... Je me rendais pas compte que c'est à ce point-là. Bon, je trouve que c'est pas mal, écoutez. Tant mieux, si vous regardez sur mobile, moi ça me plaît bien. Donc c'est cool. Je cherche un moyen de pouvoir accéder au toit sans que ça fasse trop moche. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que bon, j'aurais pas forcément... tout le sable que je voudrais pour faire des vitres. Donc on va laisser tout blanc, mais est-ce que si je fais ça, est-ce que ça va aller ou pas? Quand je dis est-ce que ça va aller, je veux dire, bien sûr, est-ce que ça va être moche ou pas? Donc déjà, genre, oh, premier étage, oh, très joli, merci. Hop là, dernier étage. Et là, c'est la bogasse attitude totale, quoi. Oui, ça va, on va laisser comme ça.
c'est très très magnifique comme ça. Même que là, on va se faire un petit 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 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 ici. Non, je n'ai rien dit. Donc dites-moi dans vos commentaires d'où vous venez aussi. Donc si vous regardez, je prenais note, hein, d'où vous regardez mes vidéos, donc YouTube sur ordinateur ou sur téléphone, ça m'intrigue tout ça. Et aussi, si vous habitez en France, si vous êtes belge, si vous êtes canadien, si vous êtes suisse, si vous êtes américain, je sais pas si vous êtes BDMT ou pardon, si vous habitez au State et que vous regardez mes vidéos, c'est cool. De toute façon, tout que vous veniez, ça me fait vraiment plaisir que vous regardez mes vidéos. Donc, ce qu'on va faire là maintenant tout de suite, c'est qu'on va regarder le temps et voir si j'ai bien enregistré le son. 16 minutes, c'est pas mal. Et écoutez, voilà, je voulais juste une pousse. On va aussi un peu reboucher les trous, parce que c'est moche les trous. Hop. C'est encore plus moche comme ça, mais c'est pas grave. Ah, on va regarder ma maison vue de plus haut. Hop. Hop. Tadam! Mon dieu, mais quelle jolie maison. Franchement, j'aimerais bien habiter dedans, personnellement. Ah, oh, là, pas monté. Bon, déjà, une maison en melon, c'est la classe. Alors, en plus, elle est belle gosse comme ça. Franchement, voilà. La base de chez la base. Bon. Bon, franchement, c'est un peu ridicule, mais... Moi, je trouve ça cool, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on fera? On fera, je pense, un petit chemin en stone. Qui nous amènera à une piscine, parce que... Je compte bien aménager cet endroit parce que bon, niveau objectif c'est assez dur et on m'a conseillé de faire tout ce que des objectifs. Donc chose que je vais clairement faire un petit aménagement, un prochain épisode encore construction. Je pense qu'on va s'arrêter là au niveau des vidéos. Je vais ranger tout ce dont je n'ai pas besoin. Ça j'en ai besoin. Ça non, on n'a pas besoin. Ça non plus. Ah, oxy. Et voilà. Hop, ça aussi. Et une petite pioche. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut là-bas? On va laisser en vie parce qu'il me fait vraiment de la peine. Hop là, du bois. Parce que si on veut faire des constructions, il va falloir du bois. Là par contre, c'est clair et net. C'est clair et net. Très drôle. Donc écoutez, c'est sur ce magnifique petit champ de blé useless, vraiment tout petit, qu'on va se laisser. Donc n'hésitez pas à laisser à partager cette vidéo avec vos amis. Si vous le faites, c'est vraiment génial, vous serez peut-être le troisième à le faire, peut-être le quatrième, je sais pas, ça dépend si vous êtes rapide ou pas. Et je vous dirai où j'en suis, on va dire dans une semaine, deux semaines, je vous dirai si j'ai eu plus de partages qu'avant ou pas. Sinon, c'est pas grave. Non, franchement, c'est pas le plus important. Je fais des vidéos pour forcément être connu par des milliers de gens, tout ça. C'est pas encore quelque chose qui m'intéresse trop, quoi. Donc voilà. Sur ce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de répondre. Un petit pouce vert. Abonnez-vous à ma chaîne pour toujours plus de vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde.